compagnie de Jérôme Lafourcade. Jérôme, tout d'abord, quelles sont les nouvelles te concernant, puisque tu es toujours blessé? Oui, ben là, les nouvelles sont bonnes. J'ai repris depuis une quinzaine de jours la course. Donc, la dernière blessure contractée est un vieux souvenir. Maintenant, c'est une histoire de préparation. Quand est-ce que, a priori, tu pourrais faire ta rentrée en compétition, puisque là, bon... Ben là, je suis sur une phase de préparation physique, donc je pense retrouver le groupe la semaine prochaine. Donc forcément que pour le week-end, ça sera juste, mais j'espère être... je vais tout faire pour être prêt pour 2014, donc je vais passer les vacances à me préparer, à continuer à me préparer. Alors comment on vit justement cette période, d'indisponibilité forcée? C'est forcément frustrant, on aimerait être avec les potes sur le terrain, évidemment. Oui, c'est... Notre corps, c'est notre outil de travail, donc quand il ne fonctionne pas, ben, on ne travaille pas. Donc, et en l'occurrence, c'est en plus d'être un travail, c'est une passion, donc y a de l'affectif aussi. Donc c'est pas évident d'être mis de côté, mais ça fait partie du quotidien et ça fait partie du métier. Donc j'apprends à relativiser. Plus jeune, j'étais encore plus dans la difficulté. Là, j'essaie de relativiser un peu plus. Donc tu parlais de 2014, un retour aux affaires en 2014, avec, on imagine que ça aura un gros moral à ce moment-là. Et... vraiment envie de prouver ta valeur, on la connaît, mais là de vraiment de marquer des buts, de servir à l'équipe, quoi, tout simplement. Ouais, ben déjà de rejouer, j'ai pas eu beaucoup de l'opportunité de jouer non plus, donc retrouver le groupe, jouer, voilà, prendre du plaisir, c'est ce que j'ai envie en ce moment, du temps de jeu aussi, donc voilà, j'espère que 2013 se termine et que 2014 sera une nouvelle année, une bonne année pour moi. Ok, merci Jérôme, merci beaucoup, bon courage. Merci.